Abba est présent et salue chacun de vous en l'espace sacré de son cœur. À nouveau, ce jour, nous allons cheminer ensemble afin de tenter de répondre à vos questionnements, de quelque nature qu'ils soient, vous permettant peut-être de vous libérer de certains poids qui ne servent plus à rien. Accueillons-nous tout d'abord, en le silence, les uns en les autres, en le feu de l'amour et de la vérité. En ce silence de la paix du cœur, nous accueillons la première question. Qui sont ces présences qui apparaissent lors des fusions et comment réagir? Ils disparaissent dès qu'elles sont vues. Bien-aimés, dans ce qui est nommé la fusion d'amour, alignement ou tout autre terme qui te convient, se réalise un certain nombre de choses. Bien sûr, comme tu le dis, certains d'entre vous, dans ces moments-là, se retrouvent à voir ou à percevoir un certain nombre d'éléments. Ces éléments peuvent être de toute nature, de toute origine. En ces moments-là, et spécifiquement en ces moments-là, quoi qu'il puisse se présenter au devant de vous, même de manière fugace, doit être en quelque sorte aimé et réabsorbé en votre cœur, vous apportant alors la preuve indélébile que quel que soit l'élément qui se présente, en conscience ou en forme, au devant de vous dans ces moments-là, est simplement là, non pas pour être observé, mais bien plus pour être absorbé dans le feu de l'amour. Ainsi, cela t'amène à conscientiser que tout ce qui pouvait te sembler extérieur à toi jusqu'à ce moment-là se trouve bien évidemment auparavant, au-dedans de toi. Ainsi, en réabsorbant l'image, l'archétype, la conscience ou la forme qui est au-devant de toi, tu réalises la fusion la plus sublime de l'amour, consistant à ne rien rejeter, à ne rien séparer, à voir tout avec le même regard d'amour, afin que cet amour embrase et embrasse ce qui est vu, ce qui est perçu, permettant de mettre fin aux simulacres, aux images, aux dieux, aux entités, afin que le silence de l'éternité se vive en ton cœur de la façon la plus légère et la plus évidente possible. Cet acte d'amour, consistant à absorber l'autre en son propre cœur, vient enrichir ton propre cœur, non pas d'une autre présence, mais de l'intensité de la même présence, te permettant alors d'affirmer comme je le fais, que tu es moi comme je suis toi. Cela s'applique bien sûr à chaque frère ou sœur en humanité, avec lequel vous entrez en résonance, en relation de fusion, mais aussi face à tout scénario, toute forme, tout archétype ou toute conscience, se présentant au sein du même espace, en l'alignement de ton cœur
au cœur du cœur. Voilà donc la conduite à tenir, ne rien rejeter, ne rien soupeser, ne rien contrôler. Est-ce être juste dans cet état de sacrifice, de don et d'accueil inconditionnel de tout ce qui se présente, quelle que soit sa nature et quel que soit ce que cela est, car cela est définitivement en toi, t'apportant la preuve alors, aujourd'hui, que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, afin de faire le miracle d'une seule chose, afin de faire le miracle d'une conscience et d'un seul cœur. Comme vous le savez, nous avons tous largement dépassé le stade des concepts, des idées, des croyances, afin de pénétrer à plein pied et en plein cœur dans la vérité. Cette vérité, vous le savez, ne peut être compatible avec aucune image, aucune pensée, aucune émotion. Simplement, par la magnificence de l'accueil, vous réalisez le service le plus digne et le plus noble de l'être humain en incarnation. Aimer sans relâche, aimer sans détour, aimer et seulement aimer. À ce moment-là, dès que tu as compris cette mécanique particulière, alors tu deviens libre, car tu t'es montré à toi-même en ce face-à-face qu'il n'y a nulle différence entre toi et tout le reste, conscientisant ainsi que tout le reste est absolument inclus à l'intérieur de ton cœur, mettant fin à l'éloignement, mettant fin à la distance, mettant fin à l'interrogation. Tu n'as rien d'autre à faire dans ces moments-là que d'être présent, de ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à te rappeler quelques symboles, quelques formes, ou quelques archétypes, ou quelques consciences même présentes sur Terre ou ailleurs. Tu n'as pas à l'identifier. Elle s'est présentée parce que tu es présente. En étant présente, l'intégration, l'absorption de l'amour se fait par résonance, se fait par sympathie, se fait par charisme, le vrai. Ainsi, dans cet acte de communion, d'amour et de fusion, tu réalises ta nature essentielle qui, bien sûr, n'est qu'amour, ne laissant la place pour aucune autre chose, pour aucun autre événement, pour aucun autre avenir ou devenir, et mettant fin à tout passé, t'insérant alors dans la grâce de l'instant présent éternel, là où tu te tiens, là où je me tiens, sans nous tenir, et pourtant dans la liberté totale, communion en permanence à la vérité, à l'amour, à la gloire et à la beauté. Peux-tu poursuivre avec la question qui suit ? Questionnement d'une sœur qui n'est pas là. Il y a deux questions. Hier, les trompettes ont retenti en moi. Le corps était comme une énorme caisse de résonance sans forme. Les trompettes peuvent-elles retentir isolément en chacun ? Bien-aimé, en toi, ce qui est dedans comme ce qui est dehors est la même vérité. Bien évidemment, les trompettes, nommées ainsi, les sons du ciel comme les sons de la terre, sont bien évidemment aussi présents en toi. Et effectivement, comme tu le dis, commence à résonner, à t'enflammer et t'élever en la demeure de paix suprême où là n'existe nulle image, nulle pensée, nul concept et nul avenir, t'amenant et te portant à la vérité de ton être, à la vérité de ton essence, te connectant au non-être, d'où est venu ton être.
Alors vivons cela, même s'il n'y a pas encore d'équivalence, là où tu te tiens en ta vie, en le lieu où tu es. Cela correspond à l'appel de l'esprit, à l'appel de la vérité, te demandant de déposer les armes de tout combat, de te placer en offrande et en accueil à ce que tu es, car ce qui est là n'est rien d'autre que toi, car ce qui te réveille par ce son intérieur n'est rien d'autre que ton double qui vient frapper à la porte par l'entremise du Christ, par l'entremise d'Abba, par l'entreprise d'Isis. Là où tu te tiens, je suis. Là où tu m'accueilles, je suis. Là où tu t'ouvres, je m'ouvre. Là où tu me reçois, je te reçois. Entre nous, point de distance, point de différence, si ce n'est en l'apparence de la forme, si ce n'est en l'apparence de tes pensées. Toi comme moi, nous sommes au-delà de toutes choses, faisant le miracle d'une seule chose, qui n'en est pas une. Cette chose est l'amour, qui prend tout espace, tout temps, et qui vient transcender et brûler dans le feu de la joie éternelle ce qui encombre encore ce que tu penses être et que tu n'es pourtant pas, car tu te situes au-delà de toute pensée, au-delà de tout rêve, au-delà de toute forme et au-delà de tout temps, comme de tout espace. Alors sois béni, car en te penchant sur ce son, tu réalises alors le yoga du son, t'amenant à te syntoniser toi-même sur l'alignement de ton cœur au cœur du cœur, te permettant alors de goûter le nectar de la vie, le nectar du Seigneur, ce que tu es assurément. Maintenant que tu me vois, tu te vois. Comme tu me vois. Comme vous le constatez à la façon de Maître Ram, aujourd'hui, vous avez la réponse des mots, du verbe, et la réponse du silence. La réponse du silence, comme la réponse des mots, a dorénavant le même impact sur votre résonance et sur votre présence, vous amenant avec fulgurance à vivre l'évidence. Peux-tu poursuivre ? Deuxième question de cette même sœur. En écoutant Bidi parler du centre du front, j'ai ressenti une douleur au cœur, comme un coup de lance, et la même chose au centre des deux mains. Des circuits triangulaires se sont formés entre le front, les mains et le cœur, alternativement avec des flammes blanches à droite et à gauche, à l'avant de la tête. C'est juste un témoignage. Permets-moi, par rapport à ton témoignage, d'apporter quelques éléments, non pas pour t'expliquer ce qui est vécu, cela n'a aucun sens, mais bien plus pour ceux qui liront ou entendront ton témoignage. Le cœur a rejoint la tête et la tête a rejoint le cœur. Dorénavant, la conscience du Christ
présent en chaque homme véritable, lui permet, bien sûr, de vivre nombre d'éléments. Ces éléments sont au-delà de la forme dorénavant, même s'il en existe encore, et s'impriment directement dans vos chairs, vous donnant à vivre la morsure de l'amour au niveau de la matière, vous donnant à vivre la résultante, qui est ce paradis blanc, cette blancheur immaculée, antérieure à toute forme comme à toute création, nommée la source. Ainsi donc, tu te retrouves en ton front, en ton cœur et tes mains, animé par le souffle de l'esprit, par le souffle de la vérité, par la source elle-même. Ainsi donc, en vivant cela, tu te donnes à toi-même le plus grand des cadeaux, celui de ton éternité retrouvée, en manifestation pour le moment, au sein de ce monde illusoire. C'est ta présence, ainsi que ce vécu, qui de lui-même et par l'intelligence de la source et de la lumière, réalise la finalisation du grand œuvre au sein de la terre, permettant de retenir, de revenir à ce qui était comme avant, avant la forme, avant toute forme, comme avant la présence de la conscience. En cette immuabilité, en ce point d'appui, qui appuie tous les autres points de la manifestation, est présent donc en chaque point et en chaque forme, se trouvent le serment et la promesse, le feu sacré, celui qui ne peut s'éteindre même au sein de l'oubli, et qui aujourd'hui retrouve toute sa verve, toute sa liberté et tout son élan. En cela, tu n'as rien à faire, en cela, tu n'as rien à questionner, comme tu l'as dit, mais simplement accueillir l'évidence de la résurrection, l'évidence de la joie, l'évidence du feu. Tout le reste n'a pas besoin de ta personne, tout le reste n'est qu'évidence de la présence et évidence de la lumière, celle antérieure à toute forme qui ne connaît ni forme, ni limite, ni dimension. Peux-tu poursuivre, s'il te plaît? Là où est l'amour, il n'y a plus de besoin. Ces mots, prononcés distinctement par un être un matin au réveil il y a quelques années, ont pris tout leur sens, réveillant ce qui était tapis au fond de moi, depuis toujours. Je recevais une clé précieuse qui a ouvert un chemin, même s'il n'y a pas de chemin. C'est alors, dans le quotidien, que l'amour a commencé à s'exprimer, dans les petites choses et attention à l'autre. La bienveillance envers chacun, portant un regard nouveau envers chaque être, devenu aussi précieux que moi-même. Depuis, tout est devenu grâce, simplicité, fluidité, accueil, créant harmonie et paix autour de moi. Même ma santé a été retrouvée. Parfois, la personne regimbe un peu, mais très vite, la paix reprend sa place. Aujourd'hui, je me reconnais amour et reconnais chacun étant amour. Il n'y a plus de distance. Le cœur prend toute la place. Le rêve prend fin dans cette illusion. Tout ça pour ça. Enfin.
nous rendons grâce ensemble à tes mots. Car au-delà des mots que tu exprimes avec verve et beauté, il y a bien sûr cette évidence. Ainsi est l'amour. Il ne peut en être autrement. L'amour est évidence parce que vous êtes amour. Même si les voiles de l'oubli ont pu vous incliner à penser ou vivre autre chose. La levée des moiles a été réalisée. Il n'existe sincèrement et objectivement plus aucun obstacle à ce vécu, si ce n'est la personne qui croit pouvoir le vivre. Se montrant à elle-même que quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, le sacrifice n'a pas été acté. En ton cas, effectivement, les clés sont de partout. En ce que tu regardes, en ce que tu vois, en ce que tu entends, en ce que tu penses. Et dans ton cas, en ce rêve ancien qui n'en était pas un, qui aujourd'hui devient le réel. L'amour est partout. Où que tu regardes, où que tu penses. Chacun n'est plus extérieur, mais réellement et concrètement intérieur à toi, expliquant alors la bienveillance, car il ne peut exister d'autre attitude face à quiconque. Car tu réalises alors que le même amour, en la même intensité, en la même radiance, en la même présence, est strictement identique, quelles que soient les apparences de chacun. Ainsi est le véritable amour. Tout amour qui ne voit pas cela et qui ne vit pas cela n'est pas encore inscrit dans la vérité de l'amour, pourtant qui est omniprésente. Rappelle-toi que le maître de musique a créé cette partition voilà fort longtemps, pour chacun de toi comme pour moi-même, donnant à vivre au moment le plus juste, à l'heure juste, ce qui est à vivre pour toi. Nourris-toi pour celui qui ne le vit pas, de tout ce qui est vécu par tes frères et sœurs. Ainsi que l'a dit Bidi, le témoignage est essentiel. Vous n'avez qu'à témoigner non pas de vous-même, mais vous rendez témoignage de la lumière. Le témoignage de la lumière en lui-même est résonance pour celui qui ne vit pas cela et l'amène, quelle que soit la colère ou le déni, à se placer de manière extrêmement rapide dans la même évidence. Là où il n'y a rien à faire, là où il n'y a rien à être, en dehors de cela. L'amour prend toutes les places des instants où la personne ne s'interpose pas. Que cela soit par les rêves, que cela soit par les ondes, que cela soit par les sons, que cela soit par la musique, par l'image, par la rencontre avec quiconque comme avec moi, cela ne fait nulle différence, car le résultat ne peut être qu'identique en chacun. Il n'y a pas de différence. Il n'y en aura plus jamais. Le même amour, celui qui te peut être mesuré ni dosé, celui qui te peut être limité ni enfermé. Là est l'unique vérité, vivant cela, que veux-tu vivre d'autre? Espérant cela, que peux-tu attendre d'autre? Le redoutant, que puis-je te dire, sinon de regarder le sourire sur les lèvres de tes frères et sœurs qui vivent cela, ainsi que l'éclat de leur regard, ainsi que leur beauté, à quelque âge, en quelque forme que ce soit, en quelque difformité, même apparente physique, cela n'a plus d'importance, parce que l'amour, effectivement, prend tout et ne laisse rien. Et comme tu l'as dit, tout ça pour ça, il le fallait bien, car il le valait bien, et il le vaut toujours bien. Cela est hors du temps, et pourtant se manifeste en ce temps. Parce que comme cela vous a été dit, les temps sont accomplis. Il reste simplement, comme tu l'as dit aussi, ce dernier chemin qui n'en est pas un, qui est la route du rêve, la route de l'illusion, te donnant à te retourner afin de constater que même au sein de l'illusion, la vérité est totale dès l'instant où tu acceptes que ta présence en ce monde, comme ton corps, comme tous les objets de ce monde, ainsi que ces mythes,
Ces dieux, ces religions ne sont rien d'autre que du cinéma qui n'a aucune substance. Alors oui, le rêve devient réel, ouvrant la voie nouvelle, qui n'est pas, comme tu le dis, un chemin, mais l'établissement en tout chemin, en tout lieu et en toute place de cet amour absolu, où rien ne peut manquer, où rien n'est superflu, où tout est présent. Vivant cela, tu vis l'amour. Vivant cela, tu es la vérité. Tout le reste qui passe, passera et est passé, ne peut plus rien représenter pour celui qui vit en l'éternel présent de l'amour, ne dépendant ni de la forme, ni de ce monde, ni d'aucun monde, et surtout antérieur à toute histoire. Nous t'écoutons et t'entendons pour la prochaine question ou le prochain témoignage. Lucifer, le porteur de lumière, s'est présenté un jour, bien fortuitement, alors que je lisais quelques lignes le concernant. J'ai stoppé ma lecture au bout de quelques phrases, ressentant soudain le besoin de fermer les yeux et de me centrer. Tout doucement, j'ai commencé à pleurer, sans savoir pourquoi, puis ce sont des torrents de larmes qui se sont mis à couler. Les mots sont arrivés « Je te pardonne, je me pardonne pour tout ce que je ne comprends pas, pour ce que je n'ai pas pu faire ou pas. » C'était à peu près ces mots, car cela fait au moins 3 ou 4 ans. Puis, comme une tempête qui s'éloigne, tout est redevenu normal, léger même, et j'ai oublié cet épisode avant qu'il soit abordé le nom de Lucifer ces jours-ci lors de la rencontre. Ce que je n'ai ni compris ni cherché à interpréter à l'époque prend son sens aujourd'hui. Je rends grâce à tes mots. De la même façon que j'ai dit qu'il n'y avait rien à rejeter au sein de l'amour, au-delà de toute explication et de toute compréhension concernant telle conscience ou telle autre. Les pleurs sont libératoires parce qu'ils permettent de te reconnecter à l'essentiel au travers de tous les archétypes, de toutes les blessures et de tous les espoirs de ce monde. Bien sûr, il existe des éléments historiques, symboliques et concrets, mais aussi archétypiels, qui ont accompagné ton rêve jusqu'à ses strates ultimes sur cette terre. Ainsi, tu démontres par tes mots qu'il n'est nul besoin de comprendre, nul besoin de se saisir, mais bien plus d'accueillir. Sans aucune différence, tout ce qu'il se présente en conscience, en archétype ou en humain. Car c'est en cet amour que tu donnes et que tu prends en toi
que se réalise le serment et la promesse. Se reconnaître en l'amour se fait difficilement en soi-même. Il est beaucoup plus facile de se reconnaître en l'amour présent en l'autre, parce que vous allez au-delà des apparences, au-delà de l'histoire de la personne, que vous la connaissiez ou pas, et faisant fi de tout ce qui masque, vous allez directement au cœur, là où il n'y a plus de résistance, là où il n'y a plus d'obstacles, permettant alors, par la levée des voiles de l'anomalie primaire, de vivre cela de manière spontanée, et sans qu'il puisse y avoir le moindre doute sur ce qui est vécu. Parce que le vécu en l'amour ne peut laisser la moindre trace ni le moindre doute, et que cela ne peut être comparable à rien de ce que tu as connu au cours de tes pérégrinations à la surface de ce monde. En quelque amour que ce soit, en quelque reliance au sein de l'esprit que tu aies pu vivre, au sein des mouvements ou en solitude, cela ne peut être comparé, cela ne peut être mesuré. Ainsi est l'amour, non pas celui qui t'est appréhensible en ce monde et que tu vis au hasard ou au décours de tes vies et de tes rencontres, mais qui ne sont là que pour illustrer le manque qui est en toi. Aujourd'hui, ce manque est comblé et se comblera de plus en plus. Comme tu le sais, mettant fin à toute histoire, mêlant fin à toute notion d'origine ou de fin, te replaçant dans cette demeure de paix suprême qui contient toutes les maisons du Père et toutes ses demeures. Le temps du rêve s'achève parce que le temps de l'amour est venu, et l'amour ne sera jamais un rêve ni un objectif. Il est parfait, au-delà de tout objectif et au-delà de toute amélioration. Il n'y a rien à en changer, il n'y a rien à en améliorer, il y a juste à le reconnaître en soi comme en l'autre, avec la même intensité. Ainsi donc, les témoignages de ceux qui vivent, lus par ceux qui ne le vivent pas, au-delà du sentiment d'être abandonné ou d'être frustré, saisis bien qu'en lisant cela, l'autre devient toi comme tu deviens moi. C'est le même effet, la même résultante, le même amour. Et même si tu ne le vis pas dans l'instant, sois assuré que là où tu as porté tes yeux en ces jours-là, reviendra à toi le moment venu, pour que ton cœur ne fût plus non plus dans aucune différence, quelle que soit la forme et quelle que soit la personne, mettant fin alors effectivement et concrètement à l'idée ou à la pensée d'être cette personne qui vit cela. Ainsi, l'accueil inconditionnel est créé sans rien demander, sans rien attendre, sans rien projeter, mais simplement en silence, dans le silence de la prière du cœur, où les mots n'ont nulle importance, alors le Verbe se lève en toi. Le souffle de l'Esprit vient chuchoter à tes rêves ou dans ton cœur, ou alors à tes oreilles, ou en te donnant à voir ce que tu dois voir, t'amène tout naturellement à la porte de ce seuil, là où il t'apparaît qu'il n'a jamais existé de seuil comme il n'a jamais existé de porte. Ce qui était conditionné et qui t'a servi d'appui est aujourd'hui totalement libre et s'offre à toi sans aucune condition et sans aucun conditionnement possible, comme sans aucune référence à quelque élément passé, à quelque élément vécu, ou à quelque futur que ce soit. Car en l'amour, en cela, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a même plus
l'instant présent. Il reste juste l'évidence, où aucun temps ne peut s'imposer. Il ne reste juste que l'évidence, là où aucun soupçon ne peut apparaître. Il ne reste que l'évidence, celle qui t'allège et vient dessiller tes yeux en totalité. Alors oui, en cela il y a offrande, en cela il y a accueil. L'accueil de l'offrande permet de magnifier ton offrande à l'inconnu, te permettant alors d'être vu par l'ensemble de tes sœurs et frères, où qu'ils soient sur la terre, t'amenant alors, sans le vouloir dorénavant, à vivre cette nouvelle Eucharistie où tu es obligé d'affirmer avec moi, je suis toi, tu es moi, je te vois, tu me vois. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que dès que l'amour est vu au-delà de la forme, il ne peut rester rien d'autre que l'amour. Cet amour-là ne peut composer avec quelque idée personnelle ou quelque construction au sein de ce monde. Car l'amour appelle l'amour, il appelle la vérité. Or, la vérité n'est pas de ce monde. La vérité est en toi. L'amour t'appelle alors à ce face-à-face, à le conclure, à le traverser, sans détour et sans délai. Ainsi est l'amour. Tu n'as rien à diriger, tu n'as rien à contrôler, tu n'as rien à demander, tu n'as rien à attendre. Il te suffit juste de réaliser que cela a toujours été là et que la séparation n'était qu'une idée, un songe qui ne fait que passer. Un songe qui brûle dans le feu de joie de l'amour, là où non seulement il n'y a plus de réticence, mais aussi où il n'y a aucun avenir, ni aucun passé, ni aucun temps, te permettant alors d'être en tout espace, en la demeure d'Abba, qui, je te le rappelle, a de nombreuses demeures qui sont toutes tes demeures. Alors retrouve-toi tel que tu étais, avant toute origine, comme après toute fin. Et cela ne peut se faire que si tu accueilles l'imprévu, l'imprévisible et l'inconnu, sans demande et sans rancune, afin de comprendre et de vivre qu'aucune histoire ne sert à rien quand l'amour est vrai, et que tout le reste, en dehors de l'amour, ne peut exister sans le moindre amour, même si tu ne l'as pas vu. L'amour est la vie, l'amour est le silence. L'amour est le chant, l'amour est danse, l'amour est évidence. Où que tu regardes dorénavant, il est partout. Et si tu ne le vois pas, alors change de regard et arrête de regarder et vois. Parce que si tu vois, alors tu absorbes. Parce que si tu vois, alors tu accueilles. Ne détourne ni ta pensée, ni ton regard, ni ton cœur, ni tes oreilles de celui que tu croises en quelque situation que ce soit et où que ce soit. Regarde-le. Il est un autre toi. L'un comme l'autre, vous rêvez. Alors en toi, il y a la possibilité en l'aimant de le réveiller, qui à son tour te réveillera. Ne demande rien pour toi, ne demande rien pour l'autre. Sois simplement l'autre, tout autant que tu penses être toi.
pour faire le miracle de l'amour. Tant qu'il y a rejet, il ne peut y avoir amour. L'incompréhension ne bloque pas l'amour, bien au contraire, parce que l'amour traverse la compréhension, parce que l'amour traverse tout. Tout ce que tu crois dense, tout ce que tu crois opaque encore en toi, n'est simplement pas dans le même temps que l'amour. Tu n'as pas à t'en soucier, tu as juste à laisser grandir ce qui est, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le vis pas. Alors, oui, la meilleure des postures est celle de la paix, et celle du silence. Pour certains, elle est celle de l'expérience, du passage des mythes et archétypes, venant de manière collective, même si cela est individuel dans l'action, réalisant une offrande à l'ensemble de l'humanité. Quoi que tu vives ou quoi que tu fasses, quoi que tu ne vives pas, quoi que tu ne fasses pas, cela ne fait pas de différence. Dès l'instant où tu es en silence, dès l'instant où tu fais la paix, avant tout avec toi-même, non pas en ce que tu connais au sein de l'histoire de cette personne, mais faire la paix avec ton double, celui que tu n'as pas encore vu, celui que tu n'as pas encore reconnu, et qui pourtant est en toi dorénavant, et ce depuis toujours. Même si au sein du songe et du rêve, il pouvait apparaître, comme cela a été dit, prisonnier dans le soleil, ce n'est que ton adhésion au rêve qui t'empêche de te réveiller. Mais cela a été prévu avant même que tu commences à rêver, que viendrait l'instant où le rêve se cesse, le moment où l'amour ne permet plus le rêve, le moment où l'amour n'est plus créatif, mais évidence du silence. Là où il n'y a rien à créer, là où il n'y a rien à faire apparaître. Ainsi, te tenant là, tu peux le dire avec moi, tout est accompli. J'aimerais te rappeler encore une fois, pendant le silence de l'évidence, qu'il n'y a pas de distance ni de différence entre toi et moi. Il y a en moi la même humanité, la même forme, les mêmes souffrances, les mêmes plaisirs, les mêmes errances, les mêmes découvertes. Ce que je vis, tu le vis, même s'il y a décalage. Mais il n'y a plus distance. Cela est impossible. Veux-tu bien poursuivre ? Témoignage d'une sœur qui est présente. Hier, mon corps, sans les bras et les jambes, est devenu l'axe central lumineux d'une immense toupie
qui tournait en permanence. Ce matin, quand Jean-Luc a dit que le point du sacrum et celui de la tête allaient rejoindre celui du cœur, ça s'est fait et la toupie a cessé de tourner et a disparu. Ce qui tourne, c'est le vortex de la révélation. Quand ceci a pénétré et est révélé, alors le silence et l'immobilité n'a plus besoin d'aucun mouvement pour manifester l'amour. Il n'y a plus besoin de l'exprimer, il y a simplement besoin de témoigner. Car toute ta présence à ce moment-là devient amour. Là aussi, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, cela ne changera rien. L'amour prend tout. Il prend tes sens, il prend tes yeux, il prend ta bouche, il prend tes mots, il prend ton corps pour te rendre à toi-même. Là où il n'y a plus rien d'opaque, là où il n'y a plus rien qui puisse s'opposer, là où le rêve s'achève, là où la raison s'achève. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. Il y a juste ça. C'est en ça que vous ne pouvez plus avoir soif ni faim, que vous ne pouvez plus rêver, parce que l'évidence est bien plus belle que tous les rêves qui puissent survenir au sein de ce monde comme ailleurs. Peux-tu continuer ? Il n'y a plus de questions écrites pour l'instant. Alors nous allons passer à vos mots, questions ou témoignages. Nous nous écoutons. À la fin de la réponse précédente, je suis revenue parce que j'étais partie loin. Notre sœur est revenue à elle-même parce qu'elle s'était absentée. Le seul lien, c'était la voix d'Abba. Le seul lien étant la voix d'Abba. Et j'ai réalisé que j'avais la tête en feu. Elle a réalisé qu'elle avait la tête en feu. Et quand qu'elle avait regarde... la tête en feu. Et quand j'ai regardé au-dessus de ma tête, j'ai vu la couronne de Marie. Quand elle a regardé au-dessus de sa tête, elle a vu la couronne de Marie. Donc une partie, tout était lumineux sauf une partie. Tout était lumineux sauf une partie. La couronne de gloire, la couronne d'éternité. Là où l'ensemble de ce que tu es, en manifestation comme antérieurement à toute manifestation, c'est ainsi révélé. Le couronnement n'est pas symbolique, il est bien concret. C'est celui qui illumine la tête et le cœur dans le même temps, venant te montrer où est l'amour, en la lumière, mais aussi antérieurement à la lumière. Cela ne fait pas de différence, là non plus. Comme je l'ai dit,
vous serez de plus en plus rassasié. La légèreté et la joie, là aussi, prendront tout relais à vos souffrances, à vos interrogations, à vos distances aussi. Parce qu'il ne peut en être autrement, en l'intelligence de la lumière. Parce qu'il ne peut en être autrement, avec la vérité qui ne connaît aucun rêve, ni aucun marchandage. Il y a donc bien un couronnement qui n'est pas seulement l'appel, qui n'est pas seulement le fait d'être un élu de quoi que ce soit, mais ce couronnement est, en quelque sorte, l'achèvement de ce qui ne peut plus être, parce que cela passait. Or toi, tu ne passeras jamais. L'ayant accepté, même au sein de tes disparitions comme de tes retours, alors la couronne de gloire peut ceindre ton front et ta tête, parce que ton cœur a pris le relais sur toute forme d'expression de la personne, sur toute forme d'histoire ou de revendication. Ainsi est la légèreté, ainsi est le vécu, ici même en ce monde, de la vérité de l'amour. Qui souhaite s'exprimer? Il me serait agréable d'avoir un éclairage sur un point. Il serait agréable à notre sœur d'avoir un éclairage sur un point. Lorsqu'il est dit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Lorsqu'il est dit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et aussi du fait que dans la maison de Abba, il y a beaucoup de demeures. Et aussi du fait que dans la maison de Abba, il y a de nombreuses demeures. Quand il est dit que toute la création serait décréée ou absorbée. Quand il est dit que toute la création serait décréée ou absorbée, j'ai personnellement la connaissance d'une sœur dans la foi. J'ai personnellement la connaissance d'une personne dans la foi qui désire absolument vivre dans un monde de matière. Qui désire absolument vivre dans un monde de matière. Qu'en est-il pour elle? Qu'en est-il pour elle? La liberté ne permet plus la matière. La liberté est l'amour et la vérité. Celui qui dit cela ne vit rien de l'amour, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en parle. Celui qui vit l'amour ne peut jamais, jamais préférer la matière ou l'incarnation en quelque dimension que ce soit. Cela est impossible. Donc, il est évident que celui qui aujourd'hui revendique la matière, revendique une forme, n'a rien compris à l'amour. Il n'est que dans la perpétuation d'un rêve, que dans la projection. Mais cela n'est pas grave. Car quand il a été dit, il te sera fait selon ta foi. Aujourd'hui, en tant qu'ajusteur de pensée, je rectifie cela. Il te sera fait uniquement selon la vérité. Et pas autrement. La vérité, comme je l'ai dit, ne s'accorde avec aucune forme. L'amour n'a pas besoin d'une forme.
Bien évidemment, tous ceux qui aujourd'hui disent cela, quelles que soient leurs expériences, ne vivent pas encore l'amour. Il ne peut en être autrement. Car dès l'instant où l'amour véritable, au-delà du connu, est vécu, il ne peut rester aucune attirance, aucune attraction vers autre chose que l'amour. Saisis donc bien qu'il ne sera pas fait selon ta foi, mais il sera fait à chacun selon l'unique vérité qui ne dépend d'aucune personne ni de personne. Ainsi donc, ces propos tenus par tel ou tel frère ne montrent que l'ignorance, la peur et la souffrance, même s'il y a avidité de matière. Ces frères et ces sœurs ne connaissent pas l'amour. Ils ne se sont pas reconnus. Car celui qui se reconnaît ne peut jamais, au grand jamais, préférer la matière à l'esprit. C'est impossible. La phrase « Il sera fait selon ta foi » ne correspond pas à « après », même s'il existe de nombreuses demeures à la maison du Père, qui, tu l'as compris, elles font partie du rêve et que chaque conscience peut emprunter. Mais néanmoins, cela ne peut être le cas au sein de la chair. Mon fils, vous l'avez dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Moi, je vous le dis, je suis sur ce monde depuis ses débuts tout en étant partout. Celui qui vit aujourd'hui, le véritable amour, la vérité une, ne peut pas souhaiter quoi que ce soit. Il ne peut que l'être, cet amour. Saisis donc bien au travers de ce que je dis, que les désirs de la personne ne représentent rien, puisqu'en définitive, il n'y a personne. Celui qui prononce ces mots ne connaît rien de l'amour, et surtout il n'en vit rien, quoi qu'il en dise, quoi qu'il gesticule et quoi qu'il affirme. Et je te le répète, celui qui vit l'amour ne peut s'acclimater d'aucune forme, d'aucun avenir, d'aucun devenir, d'aucune origine ni d'aucune lignée stellaire. L'amour prend tout. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un poème, ce n'est pas un souhait, mais c'est l'exacte vérité de chacun. Celui qui se retrouve, quelle que soit la forme que cela peut prendre, n'a plus besoin d'aucune forme, et surtout d'exprimer aucun désir. Ainsi donc, vous le voyez, pour chacun de vous, en fonction de ce qui est présent par rapport à l'amour en vous, vous savez pertinemment si vous êtes libre ou pas. Dès l'instant où il y a une revendication de forme, dès l'instant où il y a une revendication de compréhension ou d'explication, ce n'est jamais l'amour, ce n'est que la personne. Et tu sais pertinemment que tu ne peux arriver à l'amour que si la personne n'est plus là. Saisissez cela. Cela a été répété d'innombrables façons afin de vous préparer à ces moments-là. Vous êtes dans la mise en pratique. Vous ne pouvez défier personne, et encore moins l'amour que vous êtes. Vous le voyez, ou vous ne le voyez pas. Mais soyez assurés que quel que soit le moment ou l'instant, que cela soit l'événement ou tout autre événement, que cela soit personnel ou collectif, au moment venu, qui est venu, il ne peut y avoir la moindre tergiversation. Seul celui qui ne connaît pas l'esprit, seul celui qui ne vit que l'amour au sein de ce monde, ne peut pas accepter, pour l'instant, qu'il n'y a que l'amour. Toute opposition est vaine et nulle, et non avenue, parce que l'amour est présent de partout sur la terre, et que nul ne peut s'y soustraire, et que nul ne pourra l'éviter, quels que soient ses désirs, car je ne tiens pas compte des désirs de la personne, je ne tiens compte que de la vérité qui est au travers de la personne. Alors bien sûr, il existe des personnages, des histoires et des frères et sœurs qui ont mis tellement au devant d'eux la peur qu'ils se sont figés par eux-mêmes et en eux-mêmes avec une couche infranchissable. Mais même ceux-là qui aujourd'hui souffrent et ne vivent rien
pour diverses raisons, vivront le même amour, le moment venu. C'est en ce sens qu'il ne peut y avoir d'autre direction, ni d'autre chemin, que celui de l'innocence et de l'enfance, que celui de la vérité, qui n'a besoin d'aucune forme, et surtout d'aucune histoire. Je le répète, quelle que soit la multiplicité, en ce monde comme en tout monde, il n'y a qu'un cœur, il n'y a qu'une conscience. Ce cœur et cette conscience eux-mêmes ne sont qu'illusions de la première manifestation. Le serment et la promesse, quand il s'actualisera au niveau collectif, de quelque façon que ce soit, ne pourra laisser subsister la moindre ignorance et donc le moindre désir. L'intensité de l'amour au sein de ce royaume sacré dorénavant qu'est la terre d'où tout est parti et où tout finit, ne peut laisser le moindre choix. Car qui voudrait choisir en vivant l'amour? Seul celui qui ne le vit pas peut encore décider que ce n'est pas vrai ou s'en détourner. Mais prenez garde, cela ne dure qu'un temps. Et ce temps est achevé, en totalité. Ce qui se déroule dorénavant et dans quelques jours se situe de manière irrémédiable au-delà du temps de cette terre, vous donnant à vivre cette simultanéité de la personne qui disparaît et de l'amour qui prend toute la place. Et cela ne peut échapper à quiconque. Il ne peut pas être autrement. Je vous l'ai dit. L'histoire a été écrite d'avance. Il n'y a que les différentes trames temporelles qui vous empruntiez au sein de la matérialité qui pouvait vous faire croire qu'il y avait un libre arbitre, une possibilité de choix. Mais cela concerne la personne. Mais l'amour ne peut jamais choisir. Pourquoi l'amour choisirait alors qu'elle est tout et qu'il est tout? Seul celui qui est limité, seul celui qui ne le vit pas, peut parler ainsi. Il est dans l'erreur, mais il n'en est pas responsable ni coupable. Alors permets-moi de rectifier, vu l'appel de la terre et de l'ensemble des enfants, de rectifier définitivement cette erreur. Il ne peut en être autrement. Ce qui a un début a une fin. Et ce qui a une fin, en définitive, n'est pas la fin. Il n'y a jamais eu de début. Seule la personne le croit. Parce qu'elle-même a un début et une fin inscrites entre la naissance et la mort, et que les voiles de l'oubli n'ont laissé que la foi et l'espérance. Alors je ne pouvais pas dire ou faire dire qu'il se sera fait selon ta vérité, parce que la vérité n'était pas présente. Il ne pouvait être question que de foi et d'espérance, et de rêve. Aujourd'hui la vérité est là. Il y aura de moins en moins d'espace pour le rêve. Là est la vraie liberté, là où il n'y a aucun choix, parce que tout est sûr à 100%. Alors quand tout est sûr à 100%, que peux-tu revendiquer comme choix? Que peux-tu soupeser ou comparer? Cela est valable au sein de l'illusion, mais cela n'est pas valable, n'a jamais été valable, dans les mondes de l'esprit et dans l'esprit lui-même. Aimer la matière est une liberté que vous vous êtes accordée au travers du rêve. Mais la matière, même la plus ordonnée, même la plus affiliée à l'amour, ce que vous nommez la troisième dimension unifiée, n'est rien d'autre que vous-même en un autre temps et un autre espace. Le temps ne s'est jamais déroulé, l'espace ne s'est jamais déployé, il n'y a eu qu'un rêve. L'amour n'a pas besoin de rêver. L'amour n'a pas besoin de forme. L'amour n'a pas besoin de conscience. C'est ce que tu es. Et surtout, celui qui dit qu'il préfère la matière
à accumuler une telle quantité d'amour enfermé qu'il faut là aussi le libérer. Le libérer de quoi? Puisqu'il n'y a personne. Le réveiller du rêve, le réveiller et le révéler à lui-même. Et ça, c'est chacun de vous qui le réalisez, non pas par la volonté, mais par le cœur. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez besoin de personne, parce que chacun de vous est Abba, chacun de vous est Marie et chacun de vous est l'enfant. Oh, bien sûr, cela ne peut être accepté par le mental, ou éventuellement accepté en concept. Mais moi, je suis venu vous le dire, vivez-le, cela est ouvert, il n'y a plus de fermeture, il n'y en aura plus jamais. Seule la peur de l'inconnu, seul le fait de tenir à votre sac, à ce personnage, à son histoire et à la terre, vous prive encore de l'évidence. Il a bien été dit qu'au moment venu, nul ne pourra échapper au passage par le chef de l'aiguille. Cela est maintenant. Il n'y a plus de délai. La coupe est pleine. Il est temps de verser les eaux d'en haut pour faire le miracle d'une seule chose. Là où il n'y a jamais eu ni ciel ni terre, d'aucune nature ni d'aucune forme que ce soit, là où il n'y a que la vérité, en le silence et l'immobilité, de cet amour, de ce brasier d'amour qui comble à tout jamais toute carence et toute latence. Qui parle? Il m'est très facile d'absorber une personne, disons. Notre frère dit, il m'est très facile d'absorber une personne lorsqu'elle apparaît sur mon écran mental, que j'ai les yeux fermés ou que je sois en défocalisation. Lorsqu'elle apparaît sur mon écran mental ou lorsque j'ai les yeux fermés ou en... En défocalisation. En défocalisation. Par contre, ça m'est très difficile et même impossible... j'ai les yeux ouverts. Par contre, cela m'est très, très difficile, voire impossible, lorsque j'ai les yeux ouverts. Et que j'ai la personne physique en face de moi. Et lorsque j'ai la personne physique en face de moi. Alors, bien-aimé, tu ne vis pas l'amour. Tu restes dans l'écran mental. Quand je dis que l'autre est vraiment en toi, cela ne se passe pas dans l'imaginaire ou dans le mental. C'est la réalité totale. Indélébile de l'échange d'âme. Ce corps n'est plus le tien, il est celui de l'autre. Le corps de l'autre n'est plus le sien, mais il est le tien. Cela est réel et concret et n'a rien à voir avec une quelconque vision ou un quelconque écran mental qui ne reste qu'une chimère et de l'illusion totale. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas une image, ni un écran mental, ni une visualisation. Alors dans ce cas, je te dirai simplement,
il convient de te manger toi-même, afin de disparaître de tout personnage et de tout écran mental. L'amour ne se situe pas là, tu ne cherches pas en plus là où il faudrait peut-être chercher, tout en sachant qu'il n'y a rien à chercher. Accueillir l'autre, ce n'est pas le projeter sur un écran mental. Accueillir l'autre, c'est le vivre concrètement, sciemment, volontairement, en totalité. Et tant que tu es prisonnier au sein de ta personne, bien sûr, cela ne peut pas se vivre. Ce qui se vit au niveau de l'écran mental, de la visualisation ou de l'énergie, n'a rien à voir avec la vérité de l'amour. Je dirais même que cela en est l'antithèse, parce que cela participe de la séparation et de la division, quels qu'en soient les résultats. Cela ne rendra jamais libre, ni toi, ni l'autre. Le seul conseil que je puisse te donner, alors dans ce cas-là, c'est de te manger toi-même et de t'accueillir toi-même. L'autre ne se sera accessible que dès l'instant où tu auras disparu de tout écran mental, de tout calcul ou de toute visualisation. Cela n'est que du rêve. Ainsi, tu poursuis le rêve et ne vis jamais la vérité. C'est impossible. Parce qu'en cela, tu ne disparais pas. En cela, tu mesures et compares l'autre. Il y a toujours deux, il n'y a pas un. Comment veux-tu qu'il y ait zéro? Comment veux-tu qu'il y ait l'absolu et la conscience quand tes jeux t'amènent à manifester la conscience, que cela soit au travers de l'énergie, au travers de la vision? N'oublie pas. En plus, tu parles des yeux ouverts et des yeux fermés. L'amour se voit. Bien sûr qu'il a été nécessaire, durant une certaine phase, de privilégier l'immobilité, le silence et les yeux clos. Mais aujourd'hui, ce qui se déroule donne à vivre un nombre de frères et de sœurs que aimer l'autre ne peut pas se faire sur un écran mental ou par l'appréciation d'une énergie ou d'une perception qui passe. Cela n'est pas vrai. Ce n'est qu'une carapace de plus, une illusion de plus qui est sans fin. Seul, vivre l'autre te donne la vérité. Rien d'autre. Tant que tu n'as pas vécu, que le monde entier est en toi, commence déjà par une personne, tu seras toujours séparé et divisé en toi-même, comme avec chaque autre. Et vivre l'amour, c'est de devenir l'autre. Rien de plus et rien de moins. Te montrant et te démontrant, comme le témoignage d'une sœur l'a dit précédemment, qu'il y a autant de bienveillance envers soi qu'envers l'autre, qu'il n'y a nulle différence entre toi et le pire ennemi, parce que ni l'un ni l'autre, en définitive, n'existe. Il n'y a de la place que pour l'amour. Mais tu ne peux pas mettre devant la personne, ni l'écran mental, ni la visualisation, parce que tout cela reste extérieur à toi et n'est pas vécu au sein du cœur. Parce que si cela est vécu au sein du cœur, alors il y a ce brasier d'amour qui jamais ne te permettra de faire ce genre de choses, qui pourtant sont faites avec bienveillance dans la voie de l'enfance, mais qui ne seront jamais la vérité. La vérité vous a été dite d'innombrables voix. Nous sommes tous réellement les uns dans les autres. La seule porte de sortie, c'est celle-là. Et tant que tu tiens à ton individualité qui n'existe nulle part ailleurs que dans ton fantasme d'évolution ou d'avenir, tu ne peux pas vivre la vérité. Tu n'es pas disponible pour elle. Mais ne t'inquiète pas, comme je l'ai dit, la vérité te trouvera où que tu sois le moment venu. Les yeux ouverts et les yeux fermés, je termine là-dessus, ne doit pas faire de différence dorénavant. Ce que vous voyez avec vos yeux de chair doit être aimé de la même façon dans le silence de la vision, sans faire de différence là non plus. Parce que tant qu'il existe la moindre différence que tu fais entre l'un de tes frères et sœurs, cette différence, elle te touche toi, bien plus que l'autre. Cela a été dit de différentes façons, dont certaines façons humoristiques, par le commandeur des anciens. C'est celui qui dit qui est. Il n'y a pas d'autre voie que de vivre l'autre, tous les autres. Il n'y a pas de chemin, il n'y a que le brasier d'amour. Tu n'arriveras pas au brasier d'amour en pratiquant ainsi, en quelque pratique que ce soit, parce que cela n'est pas vrai. Parce que cela ne se vit pas. Vivre l'autre, c'est réellement le vivre.
Il y a réellement à ce moment-là un échange d'âme ou un échange d'esprit. Cela n'est pas du rêve, cela n'est pas de la vision, cela est la stricte vérité. Et vous en êtes tous capables aujourd'hui. Simplement, tout ce que vous avez mis au devant de vous fait écran. C'est le cas de le dire. Et sur l'écran, il n'y a rien de valide. Il n'y a rien d'actif. La seule vérité, aujourd'hui, c'est de transmuter la matrice de votre corps et de ce monde, devenant tour à tour les éléments, devenant tour à tour l'orage, la foudre, le tonnerre, devenant tour à tour chacun des autres qui se présentent sous tes yeux ou dans ton histoire, sans faire de différence là aussi. Tu ne trouveras jamais la liberté ni la vérité de cette façon. Je peux te l'assurer, et d'ailleurs pour nombre d'entre vous, cela dure depuis fort longtemps. Effectivement, vous tournez en rond. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie de cette façon-là. L'amour n'est pas une connaissance. Elle est ignorance. Bien sûr, certains d'entre nous parlent par la connaissance parce que leur connaissance est verbe. Et surtout, au préalable, ils sont le brasier d'amour. Alors que les mots qui sont sortis de l'écran ou de ta réflexion ne sont qu'une parodie d'amour qui ne sont là que pour camoufler le manque d'amour qui n'est pas vécu. L'amour dont je parle ne peut pas être connu par l'énergie. Il ne peut pas être connu par l'histoire. Il ne peut pas être connu par quelque perception que ce soit. Il ne peut être connu que par le sacrifice. Or, tant qu'il y a un écran, comment veux-tu qu'il y ait sacrifice? Cela est impossible. Et cela sera toujours impossible, sauf au moment de la vérité, que nul ne pourra éviter, ou nul ne pourra se soustraire, en aucune façon. Je te laisse compléter. Je faisais part de mon manque de facilité à absorber ce que je vois avec mes yeux physiques, c'est-à-dire le physique et aussi le personnage. Alors, tu peux reprendre, s'il te plaît, facilement. Oui. Bon, je voulais faire part de la difficulté que j'avais à absorber le physique. Notre frère voulait faire part de la difficulté qu'il avait à absorber le physique. Et je l'ai bien compris. Et le personnage. Et le personnage. Que c'était plus facile tu si je n'avais pas en face de moi. Ou d'un autre personnage. De quel personnage parles-tu? Est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Le personnage, bon bah le sac de viande et la personne. Oui, mais c'est le personnage qui est en face de toi ou toi-même? Non, quand elle est en face de moi, que voilà. C'est plus facile quand elle n'est pas en face de moi. Voilà. Oui, mais ce qui est plus facile n'est pas vrai, je viens de te l'expliquer. Oui, d'abord, je me confie. Car si cela était vrai et réellement véridique, alors celui que tu absorbes ne peut vivre que le brasier d'amour, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas une question de yeux ouverts ou de yeux fermés. C'est une question de qui ou quoi s'interpose. Si ce n'est toi-même. Les mots que tu emploies montrent que tu n'as pas disparu à toi-même, à l'histoire. N'ayant pas disparu à toi-même et à l'histoire, comment veux-tu te reconnaître en l'autre? Tu ne peux te reconnaître en l'autre, en chacun, dès l'instant où tu t'es oublié en tant que personne. Tout ce à quoi tu tiens te tient jusqu'au dernier moment. Il n'y a que le silence qui est préalable à la vérité. L'amour ne peut pas être manipulé par les mots. Celui qui est dans le brasier d'amour, quel que soit son vocabulaire, quel que soit ce qui est dit, ce qui sort de lui est verbe et évidence.
Il n'y a là-dedans aucun jugement, mais simplement un regard qui te montre la distance qui existe en l'apparence de ta personne et qui réfrène l'installation de cette paix éternelle, de cet amour indicible qui ne peut être confondu avec rien d'autre et qui pourtant aujourd'hui est accessible à chacun, sans distinction d'aucune sorte. Et pour cela, il faut mettre bas tous les réflexes anciens et tous les modes de compréhension anciens. Il faut se présenter comme un enfant vierge, nu et neuf, sans aucun bagage, réellement et concrètement. Parce que l'amour te voit, même si toi tu ne te vois pas. Et si l'amour te voit, il est intransigeant avec ce qui passe et ce qui est faux. Il est compassion totale, mais il ne peut être souillé par quelque élément du rêve, quel qu'il soit, car le rêve s'achève. L'urgence est au repositionnement, au sein de la disparition, au-delà de toute histoire et surtout de toute revendication. Parce que dès l'instant où vous revendiquez, vous êtes dans la projection, vous n'êtes plus dans l'accueil. Car dès l'instant où vous demandez, vous ne pouvez pas recevoir. L'accueil n'est pas une demande. L'accueil est une reddition. Bien sûr, vous êtes encore très nombreux à vous tromper de compréhension. Et pourtant les mots, que ce soit les miens d'aujourd'hui comme ceux d'avant, par étoile, ancien archange, ont tous été ciselés antérieurement à la création. Tout est parfait. Même au travers de ta question et mes mots, il y aura ajustement. Il ne peut en être autrement. Parce que mes mots ne sont plus des mots. Ils sont le verbe révélé qui touche au-delà de la personne, au-delà des religions, au-delà des concepts. Bien sûr, il s'exprime dans une langue donnée. Ce n'est pas non plus là par hasard. La simplicité de l'amour est un jeu d'enfant. Et tant que tu ne redeviens pas comme un enfant, libre et spontané de tout conditionnement, présent à l'instant présent, de manière éternelle et permanente, tout le reste ne peut pas être de l'amour, mais une image de l'amour. L'image de l'amour n'est pas l'amour, même si parfois elle vous y conduit. Mais aujourd'hui, il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps de comprendre. Il est temps d'aimer, sans restriction et sans condition. Et tant que tu passes par autre chose que l'amour nu ou l'amour pur, même si tu ne fais aucun voyage, alors c'est un amour qui n'est pas encore vrai en totalité, parce qu'il est coloré, parce qu'il est donc amputé. Et je te rassure, cela est encore le cas pour d'innombrables frères et sœurs, mais la contagion devient de plus en plus flagrante. C'est en ce sens que j'affirme solennellement que nul ne pourra éviter de vivre l'amour. Nul ne pourra s'y soustraire. Quelle que soit la circonstance de l'événement, quel que soit son moment. Ainsi, nous sommes dorénavant innombrables à être à bas, à connaître Marie et à vous bénir à chaque instant, sans vous connaître, sans vous toucher, sans vous contacter, parce que nous ne faisons nulle différence entre celui qui frappe l'enfant, celui qui t'a meurtri depuis des milliers d'années et celui que tu aimes. Nous ne jouons pas sur les apparences. Nous ne jouons pas sur la discrimination, mais nous jouons simplement la vérité. Il n'y a pas de différence au-delà des apparences. Il n'y a rien à condamner. Il n'y a rien à juger. Parce qu'à la façon dont tu te mesures et te juges, ou juges les autres, tu seras mesuré et jugé par toi-même de la même façon.
puisque la résultante est l'annihilation de toute opposition et de toute résistance. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a que ça. Alors, je suis la personne aussi, qui est cette personne qui va disparaître. Est-ce que je suis la personne ? Alors, notre frère dit, est-ce que je suis la personne ? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi, tu es tout sauf une personne. Ah bon ? Tant que tu crois être une personne, tu ne peux pas être libre. Oui. Mais... Tant que tu n'as pas compris que la personne, en ce qu'elle est, il n'y a personne, tu ne peux pas être transparent. Oui, mais accueillir l'autre, on accueille une autre personne. Non. Quand tu accueilles l'autre réellement dans ton cœur, tu n'accueilles pas sa personne ou sa forme. Oui. Je l'ai dit et répété, tu accueilles son esprit et son âme. Oui, parce que ça... Et elle devient toi. Et c'est vécu en toi. Et pas sur un écran mental. C'est directement vécu au travers de ta chair. Et de toute façon, nous n'allons pas nous perdre dans les mots et dans les définitions, parce qu'il y a en définitive une seule résultante. Elle est présente ou elle n'est pas. Vis-tu en permanence le brasier d'amour ou pas ? Non. Tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas te mentir. Tu n'es pas ici pour justifier. Tu n'es pas ici pour être jugé. Tu es ici pour être aimé. Et pour être amour. Et tant que tu mets au devant de toi, non pas des histoires qui sont toutes acceptées, mais des réflexions de cette nature, il ne s'agit, comme tu le dis, que de cogitations mentales appartenant à la personne. Quoi qu'il apparaisse au sein de ton écran, parce que je l'ai dit pour chacun et je le redirai à chaque fois, dès l'instant où vous êtes vrai, ce qui sort de votre bouche n'est plus la parole mais le verbe, et le verbe ne peut tromper. Tu cherches à l'intérieur de la personne. Tu ne peux rien trouver à l'intérieur de la personne. Si ce n'est des fantasmes. Si ce n'est des croyances. Si ce n'est des illusions. Le brasier d'amour, à l'instar, voilà de nombreuses années, de tous les frères et sœurs qui ont vécu certaines formes d'expériences de mort imminente, vous en avez tous rencontré, nous en avons tous rencontré. Il y a les mêmes éclats du regard, la même simplicité, la même enfance, la même joie, la même légèreté, quel que soit l'âge, et la même évidence. Les mots de l'évidence ne sont pas les mots d'un témoignage ou d'une question. Ils sont les mots du verbe et les mots de l'amour, et rien d'autre. Alors il vaut mieux rester en silence, accueillir au-delà de toute vision, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Tu dis que cela est difficile quand les yeux sont ouverts, mais bien sûr, puisque tu travailles uniquement sur la visualisation de ton écran mental qui n'est qu'une chimère. Cela n'est pas le cœur. Le cœur ne connaît pas ça, même si le cœur voit. Et cela se sent. Et cela se respire. Et cela se vit. Et ce qui transparaît, à ce moment-là, est limpide, en totalité. Cela est clair, cela est précis, cela est léger. Aucune expérience n'a à être jugée. Aucun état n'a à être soupesé. Mais la parole de vérité doit être dite afin de faire taire les mensonges. Ils ont duré depuis trop de temps. Ils ont duré beaucoup trop longtemps. Je l'ai dit, la coupe est pleine, largement, plus que pleine. Car au-delà d'un certain stade qui est dépassé, le poids de l'incarnation, non pas de cette vie, mais de toutes les vies, peut effectivement être un obstacle. Aujourd'hui, vous le savez, le nombre de frères et de sœurs qui vivent ce brasier est largement suffisant pour achever
le dévoilement de la vérité. Manger l'autre, ce n'est pas le voir, ce n'est pas le connaître. Ce n'est pas connaître son histoire, même si cela est possible. C'est réellement et concrètement, je ne sais pas comment vous le dire autrement, être l'autre. Ce n'est pas se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas réfléchir pour l'autre. C'est voir que vous êtes tous les autres. C'est ce qui permet de brûler l'illusion et vous donne à vivre qu'en définitive, il n'y a personne, il n'y a pas d'histoire, il y a juste l'amour. Et cela n'est pas inaccessible ni lointain. Et cela n'est pas un rêve. C'est d'ailleurs l'unique vérité, il n'y en a pas d'autre. Alors rassure-toi, il n'y a non plus nulle erreur. Puisque tout est parfait et tout est écrit, ces mots devaient être dits, les tiens comme les miens, en ce moment-là. Il n'y a rien à faire, aucun effort, si ce n'est d'accueillir. Mais tu ne peux accueillir tant que tu ne disparais pas à toi-même. Et la seule façon de disparaître à toi-même, effectivement, c'est de devenir l'autre en totalité. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout le reste, dorénavant, ne fait que vous éloigner de l'amour, comme vous le vivez et comme vous le constatez. Il ne t'est pas demandé de percevoir ce que tu manges. Il ne t'est pas demandé d'en avoir des images. C'est l'acte en lui-même qui est le plus important. Le Christ l'avait dit, « Mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Buvez, ceci est mon sang, versé pour vous. » Que voulez-vous de plus? Pourquoi chercher midi à 14h alors qu'il est midi? Pourquoi continuer à errer dans les strates du mental de la personne ou du personnage ou de l'histoire? Là, il y aura de moins en moins d'amour, parce que l'amour ne peut pas être là, tout simplement. Vous ne vivez qu'à travers le manque. Vous ne vivez qu'à travers l'espoir. Vous ne vivez qu'à travers les concepts. Vous ne vivez qu'à travers les énergies. Vous ne vivez qu'à travers des améliorations et des aggravations. Ce que l'amour vous propose est éternel. Mais vous ne pouvez le tenir. Vous ne pouvez l'enfermer. Vous ne pouvez le concevoir, vous ne pouvez que le vivre. Et si ce n'est pas vécu, c'est que ce n'est pas là. Ce n'est pas là parce que ce n'est pas le moment, alors que cela est là de partout. Mais ne mets pas au-devant de toi l'attente, ne mets pas au-devant de toi ces constructions, quelles qu'elles soient, parce que là, à ce moment-là, tu ne peux pas être dans l'accueil de la vérité. Tu es en train de négocier la tienne. Mais ta vérité n'est pas la vérité, ni la mienne d'ailleurs. C'est la vérité de l'amour. Tout le reste, sans aucune exception, n'est que fatuité, n'est que vent qui passe.
parle. Un témoignage. Nous avons un témoignage d'une sœur. Il y a environ 2 mois. Abba est venu me rechercher. Abba est venu me rechercher. Alors que j'étais dans des moments de stase, d'extase. Alors que j'étais dans des moments de stase, d'extase. Et de disparition. Et de disparition. Et depuis donc quelque temps, je ne disparais plus. Et donc, depuis quelque temps, je ne disparais plus. Alors que mes frères et sœurs, beaucoup, donc, se réveillaient et vivaient des extases. Mais alors que beaucoup de mes frères et sœurs se réveillaient. Moi, j'avais plutôt tout qui s'estompait. Moi, j'avais plutôt tout qui s'estompait. Donc, plus de vision, plus de communication. Plus de vision, plus de communication. Plus de disparition. Plus de disparition. Et donc, un peu l'ego ou la personne un petit peu a commencé un petit peu à être frustrée et à respecter. Et donc, en quelque sorte, l'ego ou la personne a commencé à être frustrée et à rouspéter. Ce que j'ai vu. Donc j'ai laissé ça se faire. J'ai donc laissé cela se faire. Surtout que j'avais vécu donc au mois de mai. La conscience, enfin je ne sais pas comment dire, l'intérieur et l'extérieur, il n'y avait pas d'intérieur et d'extérieur. La conscience dans le sens où il n'y avait ni intérieur ni extérieur. Tout en étant dans la personne. En ayant accueilli tout ce qui passait, que ce soit les voix, les gens. Accueilli tout ce qui passait, que ce soit les voix, les gens, les bruits. Oui, voilà. Et donc là, plus rien. Et il y a une quinzaine de jours, alors que je n'arrivais pas à dormir. Donc à 3h du matin, je buvais tranquillement mon café, et quelque chose là est venu me dire. Vers 3h du matin, alors que je prenais mon café, alors quelque chose. J'ai entendu des paroles, voilà. Voilà, elle a entendu des paroles, quelqu'un est venu lui dire. Ou moi-même. Ou elle-même. Es-tu prête à fermer le livre ? Et cette notion de fermer le livre m'a rappelé au cours de cette vie
que j'ai traversé plusieurs fois cette notion de fin. Que j'ai traversé plusieurs fois cette notion de fin. À travers différentes expériences, que ce soit anniversaire, que ce soit fête, que ce soit... À travers diverses expériences telles que anniversaire, fête... Décès. Ou décès. Et là, ça... Et aujourd'hui, en fait, le fait d'être là... Et aujourd'hui, en fait, le fait d'être ici... Donc, ce sens, cette notion de fin prend toute sa vérité, sa réalité. Ce sens, cette notion de fin qui prend toute sa vérité, toute sa réalité. Et donc, voilà. Et donc, je comprends maintenant, en fait, pourquoi et donc, je comprends maintenant, en fait... Tout, bah, pourquoi je suis là et tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant pour arriver à ce point-là. Pourquoi je suis là et pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu pour en arriver là. Voilà. Même si j'ai pu effectivement avoir la chance même de si, rencontrer des êtres. Même si j'ai pu effectivement avoir la chance de rencontrer des êtres. De voyager. De voyager. Aujourd'hui, ne vivant plus tout ça. Aujourd'hui, ne vivant plus tout cela. J'ai la chance. J'ai la chance. Et la joie. Et la joie. De vivre cet amour nu. De vivre cet amour nu. Cet état qui brûle. Cet état qui brûle. Dont j'ai pris conscience justement ces deux nuits où je ne dors pas non plus. Dont j'ai pris conscience ces deux nuits où je ne dors pas non plus. Qu'en vérité, c'est ce que je suis pleinement et qu'il n'y a que ça et que... Qu'en vérité, c'est ce que je suis réellement. Qu'il n'y a que ça. Qu'il n'y a que ça. Et que ça ne vient d'aucune expérience. Et que ça ne vient d'aucune expérience. D'aucun extérieur. D'aucun extérieur. Et d'aucune personne. Et d'aucune personne. Je te remercie de ce témoignage de bras et d'amour qui, je pense, nos frères et sœurs ici comme ailleurs accueilleront comme il se doit. Il n'y a personne, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas d'autre conclusion possible. Tout le reste ne fait que passer. Quelles que soient les expériences, et tu l'as dit, fussent-elles les plus intenses, t'amenant à la disparition, au noir, au blanc, de l'absolu, de l'infinie présence. S'il te manque l'amour, cela n'est rien. Même si cela a été une intense préparation pour nombre d'entre vous, aujourd'hui, lâchez tout cela. Tout doit être brûlé. Il ne restera que l'amour. C'est ce que d'ores et déjà tu exprimes et vis. Tout le reste passe et passera. Saisissez bien qu'il y a, entre ces deux frères et sœurs, il y en a un qui a abandonné parce qu'il sait qu'il fait confiance à ce qu'il est et ce qu'il ne connaît pas, et l'autre qui est persuadé de tenir ce qu'il croit connaître. Vous ne pouvez emporter rien de ce que vous avez vécu. Vous êtes l'amour au-delà de toute expérience, au-delà de toute mesure, de tout rôle en ce monde, ou de tout costume emprunté au sein des archétypes et des mondes, ou des dieux. Bien sûr, les mots, les postures, la qualité qui était mise est différente. Il n'y a pas de différence de hiérarchie. Il y a simplement une différence. Dans un cas, il n'y a plus de distance. Dans l'autre cas, il y a distance. Dans un cas, il y a évidence. Dans l'autre cas, il ne peut pas y avoir évidence. Il ne peut y avoir qu'expérience qui se succède, mais il ne peut pas y avoir l'évidence de l'amour. Ce n'est que quand tu prononces ce genre de phrases, comme tu viens de les prononcer, qu'il y a réellement et concrètement une disparition de la personne. Il faut le vivre. Le croire ne sert à rien. Le voir ne sert non plus à rien. C'est en ce sens, comme tu l'as dit, en ce deuxième témoignage, que toutes les expériences ont cessé. Laissant le vide, laissant l'appréhension de ce vide, et c'est au sein de ce vide que tu découvres que tout est plein, parce qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de monde,
Il n'y a que la vérité de l'amour. Mais cela, tous les grands mystiques vous l'ont décrit avec des mots différents. Tous ceux qui sont réellement et concrètement allés de l'autre côté, qui ne sont plus jamais les mêmes quand ils reviennent, peuvent en témoigner. Aucune posture personnelle, qu'elle soit de déni ou d'acceptation, ne vous permettra de vivre la vérité. Parce que le problème essentiel vous l'a été répété d'innombrables fois, et de disparaître à soi-même. Cela a été appelé le sacrifice et l'accueil. Et si cela ne se vit pas, cela veut dire que vous ne savez pas ce qu'est accueillir. Vous ne le vivez pas. C'est aussi simple que cela. Et encore, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je l'ai dit aussi. Ce n'est pas un problème de culpabilité ou d'erreur. C'est avant toute chose un problème de moment et d'instant. Ce moment et cet instant, comme je l'ai dit, a été écrit de partout et sur tous les supports, pour chacun de nous. Alors, face à cette évidence que tu as constatée de la disparition des expériences, tu n'avais que deux choix, et deux choix seulement. C'était les derniers choix de ce qui était l'ordre de la personne. Accepter qu'il n'y a personne et le revivre instantanément. Ou maintenir la personne et cela restera alors une expérience qui ne sera pas installée. Tout découle de là et de rien d'autre. Quelles que soient vos connaissances intérieures, quels que soient vos vécus antérieurs, quelles que soient vos énergies, quelles que soient vos vibrations, l'amour n'est pas vibration, puisque l'amour n'est pas la conscience. L'amour est antérieur à la conscience. Il ne pourrait y avoir conscience sans amour, au préalable. C'est cela. C'est cette compréhension-là qu'il faut vivre. Parce qu'accepter intellectuellement la chose ne sert à rien là non plus. C'est ce passage-là qu'il faut faire. Tel que tu le décris à la perfection, il n'y a rien d'autre que l'amour. Et pour la personne, c'est une grande perte, parce qu'il n'y a plus personne. Et pour ce que tu es, c'est le plus magnifique des cadeaux. Tu te rends à toi-même. Mais ne concevez aucune inquiétude, parce qu'au travers de mes mots, il n'y a aucune mise en garde. Il n'y a que la vérité qui vous dit que la coupe est pleine, que cela est inéluctable, que cela est maintenant. Tout le reste ne vous est d'aucune utilité. Il y a à retrouver le double, votre double. Ce double-là, vous ne pouvez que disparaître pour qu'il prenne toute la place et tout l'espace et tous les temps. Tant que vous mettez quelque élément de l'éphémère devant, cela ne peut pas se réaliser. Ainsi que tu l'as décrit, ma sœur, vous constatez tous ce processus. Il y a expansion de la conscience, cela vous a été expliqué par Bidi. Et puis à un moment donné, il y a rétraction ou retour au cœur du cœur. Ceci est la respiration du cœur. Cela vous a été expliqué. Au-delà de cette respiration du cœur vibrant sur le rythme de l'inspire et de l'expire, il y a après la notion de vague, se déplaçant de différentes façons et dont le rythme n'est plus binaire mais ternaire. Cela se produit sur l'interface du corps. Et c'est cela qui vous amène à ne plus être ce corps. Et c'est cela qui vous amène à lâcher toute prétention de la personne, tout rêve, tout devenir, tout avenir, et vous préserve de tout passé. Parce qu'en cet instant présent-là, il n'y a pas d'espace pour le karma, il n'y a pas d'espace pour le doute, il n'y a d'espace pour personne, il y a juste la vérité. Et ceci est chaque minute de plus en plus véridique, de plus en plus authentique. Tout le reste n'est qu'une illusion, tout le reste n'est qu'un rêve. Et heureux les simples d'esprit qui, après avoir vécu de multiples expériences et de multiples états,
se retrouve dans ce vide et ce silence, où il n'y a plus rien à attendre et plus rien à vivre au sein de la personne ou au travers de la personne, alors à ce moment-là, comme tu l'as décrit, l'accueil devient complet et intégral. Il ne reste que ça, l'amour. Mais pas avant. Vous devez vous donner, avant que je vous donne à vous-même. Il ne peut en être autrement. Et ce n'est pas moi qui ai fait ces lois. Ce n'est pas moi qui ai fait cette histoire. Ce n'est pas moi qui ai rêvé, même si je vous ai accompagné dans tous les rêves et rêvé autant que vous. Mais qui je suis est revenu, comme vous revenez chacun à vous-même au-delà de cette personne et au-delà de ce monde comme de tout monde. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas de meilleur mot que d'accueillir et sacrifice. N'y cherchez pas des concepts, n'y cherchez pas des explications, c'est une posture de la conscience elle-même qui se sacrifie elle-même au profit de sa source, la source de la conscience, qui est antérieure à la conscience, et dont le lien, si je peux dire, entre le zéro et le un, entre le noir et le blanc, a pour nom amour. Sans amour, il n'y aurait aucun rêve. Avec tout l'amour, il n'y a plus de rêve. Se restreindre en amour ne vous amène qu'à la souffrance. Le rêve, même dans ses parties les plus éthérées, est utile, surtout pour ceux qui se sont aventurés au plus loin de la vérité, au plus loin de l'amour. Et ceux qui vivaient les rêves libres au-delà de l'enfermement, ils le vivent, ils le savent, à chaque minute, que chacun est dans chaque autre. C'est en cela qu'ils ne pouvaient pas, ni les uns ni les autres, vous abandonner à votre sort, parce que seul, il n'y avait aucune possibilité de retour à l'intégrité et à la vérité. Et cela n'est pas possible. Ce qu'il en résultait, c'était l'apparence de la souffrance, la mort, la naissance, l'oubli. Seul celui qui a oublié peut avoir foi dans la matière et dans l'illusion, parce qu'il ne connaît rien d'autre. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, accepter de le reconnaître et d'être dans cette humilité, dans cette simplicité, cela vous a été expliqué pendant tant d'années, avec tant de mots, avec tant de vibrations. Qui veut dire ? Nous avons atteint l'heure de la fin de séance. Alors permettez-moi, tout en demeurant dans le silence, de demeurer tous ensemble. Les uns dans les autres, en ce brasier d'amour, qui n'a besoin d'aucun mot, d'aucune image. Et surtout de personne. Abba vous dit à toujours et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.
Merci.